pas. Attristait sur himself et faisait qu'elle tremble. Et faisait qu'elle tremble. Vous me suivez bien? Et Romains chapitre 8, verset 1 dit ceci. Il n'y en a plus d'hommes maintenant. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est Romains chapitre 8, verset 1 qui déclare que il n'y en a plus de maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et Galates chapitre 5, verset 19, il parle de l'œuvre de la chair. Les œuvres de la chair, vous allez voir dans ces œuvres de la chair, il y a une œuvre qui ne glorifie pas celui que nous devons glorifier. Ah! Alléluia, Hosanna! Alléluia, Hosanna! Alléluia, Alléluia, Hosanna! D'éternité en éternité, nous te louons, toi. Et parmi les œuvres de Galates, chapitre 5, verset 19, il y a les œuvres de la chair. Parmi les œuvres de la chair, le chair qu'on va voir aujourd'hui, l'œuvre, une seule œuvre, on va le dire, c'est qu'on appelle idolâtrie. Idolâtrie. Quand on dit le mot idolâtrie dans Galates chapitre 5, verset 19, le jeu pas idolâtrie, on va dire. Regardez, regardez, on va aller à l'église. Regardez. Domi Santo, Espiritu Santo, Amen. Et le frère de chapelet, je vous salue, Marie. Aïe, 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 oignon, tomate, céleri, et pommes de terre, fruits de salade. Ce n'est pas ça l'idolâtrie. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas ça l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est quoi? Tout ce qui remplace la place de l'Éternel dans ta vie, dans ma vie. Il a dit ceci. Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi, l'Éternel, votre Dieu. Je suis jaloux de vous. Je suis quoi? Jaloux. Et dans 1 verset 4, il a dit, n'attristez pas Dieu Saint-Esprit que vous avez été scellés. Vous savez que vous tous ici, nous tous ici, nous avons été scellés. C'est-à-dire qu'on a, qu'est-ce qui veut sceller? Se mettre un sceau, un cachet. Si ton front est écrit, on a mis un sceau du Saint-Esprit par la puissance du sang de Yeshua à Mashiach. Comme le sang de Dieu de Mashiach. Alors il te dit, attention, n'attristez pas Dieu Saint-Esprit. Les gens se disent ceci, oh non, j'aime Jésus, je crois Jésus. Mais pourquoi nous attristons Dieu Saint-Esprit? Et pourquoi tout le monde a l'idolâtrie? Les gens qui ont l'idolâtrie, si je le répète encore, ce sont les églises dans l'église romaine. Non! Chez les protestants, c'est tous les églises de Romains. C'est là où il y a l'idolâtrie. Alléluia! Alléluia! Dis à la personne qui a dit attention avec l'idolâtrie. Alors qu'il me dit. Ah non, il faut crier à la personne qui dit attention avec l'idolâtrie. Alléluia. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Qu'est-ce qui prend la première place? Tu es conscient ou bien consciente, toi là. Qu'est-ce qui prend la première place dans ta vie? Qu'est-ce qui prend la première place dans ma vie? C'est la place, la première place. Et donner à l'Éternel des armées. Alléluia. La première place dans ma vie est donnée à l'Éternel des armées. C'est lui, et puis, regardez, qui nous donne l'œuvre et le mouvement. Alléluia. Qui nous donne l'œuvre et le mouvement?
C'est celui qui nous a scellés, celui qui nous donne le mouvement. Pourquoi nous voulons attrister Dieu Saint-Esprit? Quand nous attristons Dieu Saint-Esprit, les ténèbres ne deviennent jaloux. Vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Regardez-moi bien. On demande à l'Éternel. Oh, remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi et nous regardons. Il est déjà là. Saint-Esprit est en nous. Est en vous. Alléluia. Saint-Esprit est en moi. Il est en vous. Il est en nous. Mais c'est nous, maintenant, qui l'attristons. Regardez. J'ai dit le mot. Aujourd'hui, on voit le mot idolâtrie. Il est très simple. C'est pas simple. On va y arriver. L'idolâtrie. Qu'est-ce que je répète à moi? Qu'est-ce qui prend la première place? Écoutez-moi bien. Tout ce que nous voyons sur la planète Terre. Avez-vous déjà vu une personne qui est morte et dit, ok, comme je suis mort, on va m'enterrer aujourd'hui avec tous mes châteaux. Avez-vous déjà vu une personne qu'on a enterré avec tous ses châteaux? Non. Avez-vous déjà vu une personne qu'on a enterré avec tous ses bateaux? Avez-vous déjà vu une personne qu'on a enterré avec tous ses avions? Avez-vous déjà vu une personne qu'on a enterré avec toutes ses maisons? Avec toutes ces bâtisses? Non. Non, posez-vous la question pourquoi? Parce que quand on est né, né, et on retournera là, né. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel va nous montrer que c'est lui qui doit prendre la première place dans notre vie. Alors, quand nous regardons les choses de la terre, qui commence à dominer, à prendre la première place, on a oublié. La place de qui c'est, de l'être contre l'idolâtrie. Vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Amen. On est sur la planète. On a besoin de manger. La question que vous avez posée, pourquoi on mange? Qui veut me donner la réponse aujourd'hui? Pourquoi on mange? Pourquoi nous mangeons? Pourquoi nous mangeons? Pourquoi tu dis, je vais commencer par manger parce que là, c'est simple. Pourquoi nous mangeons? Pourquoi tu manges? C'est pour entretenir quoi? Le corps. Alléluia. Nous mangeons, nous tous, c'est pour entretenir quoi? Le corps. Or, le corps, c'est que nous oublions, on va le tourner en poussière. Nous entretenons maintenant. Nous entretenons maintenant celui que nous a scellé. Dieu, c'est l'Esprit qui est à nous. Est-ce que nous l'entretenons? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui a la personne? Qui a la place? Ma mamie qui est là. L'Esprit qui est à toi. Alléluia, posez-vous la question, posez-vous à ton mari, vous là, posez-vous le frère. Est-ce que tu as admiré l'esprit qui est en toi? Ah, ma soeur, est-ce que tu as admiré l'esprit qui est en toi? Là, c'est nous tous qu'on pose la question. Hein. Vous savez, on vous a parlé pendant 2 semaines ici, que nous sommes les êtres spirituels. Alléluia. Que nous ne pouvons pas venir la vie naturelle, nous devons vivre avec qui est surnaturel. Mais pour vivre la vie qui est surnaturelle, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons entretenir l'esprit qui est à nous. Parce que écoutez-moi bien. Peuple de l'Éternel. Ça. La chair. En hébreu, c'est quoi? Bazar. C'est bazar.
Quand c'est un vieil et vieil, la chair est tournée à la poussière. Mais ton esprit maintenant. Ton esprit maintenant. C'est ça qu'on a dit, Dieu dit. Ton esprit vit éternellement. Ton esprit va vivre éternellement. Qu'est-ce qu'on a dit dans la parole de Dieu là? Vous avez la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? J'ai la vie éternelle, parce que j'ai reçu. Non! La vie éternelle, c'est-à-dire que ton esprit va vivre éternellement. Alors, maintenant, ton esprit, est-ce que tu l'as retiens comme il faut? Alléluia! Non, c'est bon. Est-ce que ton esprit, tu l'entretiens comme il faut? Regarde, bel exemple. Bel exemple que je vais vous donner. Je vous ai dit, j'ai parlé de la nourriture. On mange la nourriture pour faire quoi? Pour entretenir le corps. Hein? C'est des nourritures que nous mangeons là. Tu peux manger, tu peux manger, tu peux manger. Tu as trop mangé, tu commences à vomir. Tu commences à faire quoi? Hein? Tu commences à faire quoi? Vomir. Après quoi? Vomir. Mais pourquoi tu vomis la nourriture que tu as mangée? Parce que tu as entretenu le corps. Dieu veut te montrer quoi? C'est déjà devenu là. Un jour, partira où? À la poussière. Mais ton esprit. Alléluia. 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 Oh, qui on t'a scellé, on m'a scellé du quoi, du Dieu Saint. Si ton visage ici, si ton visage, quand on regarde sur ton visage, on voit le sceau du Saint-Esprit. Mais il est là. Mais le problème, c'est moi, le problème, c'est toi. Parce que nous devons quitter le monde maintenant naturel. Le monde naturel, c'est le monde de quoi? De la chair. Pour entrer dans le monde surnaturel. Et dans le monde surnaturel, il y a la jalousie de l'éternel maintenant qui commence dans le monde surnaturel. Parce que dans le monde surnaturel, il ne veut plus qu'il puisse avoir un autre Dieu que lui. Il ne veut pas qu'il y ait un autre Dieu que l'éternel des armées. Dès que tu pries un autre Dieu, dès que tu adores un autre Dieu, dès que tu me procèdes devant un autre Dieu, dès que nous nous procédons devant un autre Dieu, il devient jaloux. Dès que nous ne remplaçons pas un autre Dieu, ça devient l'idolâtrie. Alléluia. 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 Qui est avec toi? Regarde-moi. Tu aimes ça que les habits? Les habits, j'ai pris un exemple encore. Quoi? Les habits. Les habits. Regardez-moi, regardez-moi. Regardez. Les habits. Habits seulement. Ça devient quoi? Ça devient quoi? L'idolâtrie. Regarde, il est venu. On a des maisons, n'est-ce pas? On a, je répète, on a des maisons, n'est-ce pas? On habite quelque part, n'est-ce pas? On n'habite pas au paradis, on n'est pas au paradis, on est sur la planète Terre. Dès que, écoutez-moi bien, dès que ta maison, dans ton esprit, commence à prendre la première place, ta maison même, ça devient quoi? L'idolâtrie. Et comme ça devient l'idolâtrie, l'âme de l'éternel est regardé, il devient idolâtre. Alléluia. Alléluia. Papa, regarde. Galates 5 et 19. Il y a le mot idolâtrie parmi tous les gens de la chair. L'idolâtrie. Bon, on continue dans l'idolâtrie toujours. Les mots qu'on va voir, l'idolâtrie. C'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? C'est quoi ça? La Bible. La Bible.
Qu'est-ce a déclaré l'Éternel à Josué? Qu'est-ce qu'il a dit à Josué? Allez, à haute voix, j'ai écouté. Ah, parle ma fille, parle, parle. Parle. Que commence, hein? L'Éternel a dit. Médite jour et nuit. Jour et nuit. Tiens, jour et nuit. C'est pas toi? Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Les enfants, les jeunes. Jour et nuit. Qu'est-ce que nous méditons maintenant jour et nuit? Regardez maintenant. Regardez la méditation de jour et nuit. Ah, vous commencez à parler avant que je passe. C'est bien. Tiens, alléluia. Qu'est-ce que nous méditons? Oh, qu'est-ce que nous méditons jour et nuit? Les enfants, où les enfants? Le téléphone. Dis-moi, viens, 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 alléluia. L'internet, une autre personne. La télévision. Alors maintenant, téléphone, internet, télévision. On a dit, la parole dit, médite ce livre-là, jour et nuit. Alors, regardez la suite. Regardez la suite. La vie c'est quoi? Josiane, la vie c'est quoi? Que a dit agir fidèlement, tu auras quoi? Le succès dans tout ce que tu apprendras. Bon, est-ce que la télévision va te donner le succès dans tout ce que tu apprendras? Est-ce que le téléphone va te donner le succès dans tout ce que tu apprendras? Est-ce que l'internet va te donner le succès dans tout ce que tu apprendras? Non. Toi, tu vas prendre tes tartes d'avoir le succès aussi. Dans le plan de l'éternel, il dit, je te laisse. Alléluia. Comme il est jaloux, il veut quoi? Il vous laisse. Il te laisse. Vas-y, continue, vas-y, continue, vas-y, continue. Quand il commence à manifester, c'est la jalousie. Alors, comme on a les chrétiens parlés, c'est le démon. C'est le démon. On va chasser le démon, regardez. On va chasser le démon. On va laisser les démons grandir. Le démon, c'est toi-même. Alléluia. Et c'est le démon qui t'a dit. Télévision. Comment se fait-il que les gens passent 4 heures dans la télévision? 3 heures à l'internet. 4 heures à l'internet. Vous croyez que l'éternel est là? Non, il n'est pas. Mes amis, il dit la vérité. Vous dites que vous priez. Vous ne priez pas. Alléluia. Alléluia. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Il dit jour et nuit. Pourquoi nous mangeons jour et nuit? Tu manges le matin, le week-end, tu manges à midi, tu manges à 18h. Tu vas pas manger, n'est-ce pas? Hein? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Est-ce qu'alors je médite cette parole? Jour et nuit. Quand il y a un problème, on acquise. C'est même parfois, Satan dit, on m'acquise, moi. Je n'ai rien fait. Le démon dit, regarde l'éternel, je n'ai rien.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour qu'il ait le succès, il y a une condition. Alléluia. Amen. Et le succès doit être le succès qui n'est pas temporaire. Parce que les gens croient qu'ils ont le succès. Parce que temporaire. Le succès doit être d'éternité en éternité. C'est une génération à génération. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de la méditation des jours et nuits de quoi? De la parole. Vous me suivez? On dit il n'y en a plus aucune. Romains 8 dit il n'y en a plus de maintenant. De maintenant. De maintenant, aucune condamnation pour qui sont à Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je t'ai dit de méditer jour et nuit pour que tu puisses. La vie de la foi, c'est la suite. Qui vous a dit? C'est lui. Et il nous dit qu'il est jaloux. Alors, quand nous faisons l'idolâtrie, écoutez ma enfant, l'idolâtrie de la télévision, de l'ordinateur, de l'internet, même des maisons, on veut, c'est devenu parfois des lits de la avec l'idolâtrie, on verra la suite. Alléluia. Comme il est passé à l'internet, il te dit, fais bien ton idolâtrie. Fais bien. Mais, cette idolâtrie-là, quand je me retourne contre toi, que Dieu est jaloux. Parce qu'aujourd'hui, les gens ne parlent pas de l'éternel Dieu. Ils ne font pas parler de la jalousie. Non, ils ne font pas prêcher de ça. Dieu est bon, et compatissant, et miséricordieux. Alléluia. Il me dit, si je dis, alléluia, Dieu a béni, alléluia, allez, l'éternel. Il me dit, alléluia. Oh, on a débranché, on a réussi l'action. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le bazar là. Bazar, le bazar. La chair là. Ne conduit pas à l'idolâtrie. Comment se fait-il que même dans la maison passe par rapport à l'éternel? Les enfants passent à la première place par rapport à l'éternel. Ton mari passe à la première place comme ça, à l'éternel. Ta femme passe à la première place comme ça, à l'éternel. Ton travail passe à la première place par rapport à l'éternel. Qui t'a donné le travail? Qui donne le travail ici? Qui est venu à mettre dans le travail avec le travail? Bye! Alléluia! Qui est venu à le travail? Comment ça devient l'idolâtrie? Quand ça prend la première, hein? Quand ça prend la première, hein? Ça devient quoi? L'idolâtrie. Et ça devient l'esprit de la chair. Bazar. Alléluia. Tu as besoin du travail, tu as besoin de ceci. Mais il ne faut pas que ça puisse prendre la première place. Parce que le travail ne te dira pas merci. Mais c'est lui qui va te dire merci. C'est Yeshua, le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, de ce que Dieu fait pour lui. Alléluia, regardez-moi bien. Maintenant, toi là, hein? Regardez, pose encore la question. Qui a la première place dans la vie? Pose la question encore. Qui a la première place dans la vie? Pour comprendre qui a la première place, c'est médite, je suis invité, médite jour et nuit. Parce qu'on médite ça. Il est là. Regardez, vous voyez comment j'ai fait. Pourquoi vous savez pourquoi je l'ai mis là? Pourquoi j'ai mis la Bible là-bas? Je l'ai mis la Bible là-bas, au milieu. C'est ça que nous faisons, nous les chrétiens. C'est tous les chrétiens pentecôtistes, évangéliques, les protestants. Hein? On a de lire la Bible, on a le Saint-Esprit. Mais tiens, quel Saint-Esprit que Dieu ne permet pas de lire la Bible? Alléluia! Alléluia! Et l'Éternel, vous vous moquez des catholiques. Les catholiques lisent chaque jour qu'on est un monsieur, et chaque fois qu'on est un monsieur, on se moque d'eux. Mais elles font leur boulot.
Regardez les musulmans. Les musulmans. Il faut la prière une fois. C'est quoi? Toi, catholique, toi, protestant, pentecôtiste, fais comme les fois. Alléluia. Regarde, quand même on veut pour prévenir la nourriture, on va le Seigneur. Regarde, j'ai vu une personne devant la nourriture, elle veut venir à la nourriture. Avant de venir, il n'a pas vraiment commencé à manger. Vous dites que la personne n'a pas vraiment commencé à manger. Merci Seigneur pour la nourriture. J'ai regardé la personne. Mon Dieu, où es-tu l'Éternel? Où es-tu Dieu Saint-Esprit? Alléluia! Je vous dis la vérité, je dis. Et tu l'as dit. C'est un nourriture! Alléluia! Regarde, c'est un nourriture à toi de manger. Mais tu manges comme si ce n'était pas ta nourriture, c'était un nourriture d'une nourriture étrangère. Devant ta nourriture. C'est quoi ça? C'est l'idolâtrie! La nourriture appartient à qui? C'est à toi qui est dit, attends, la nourriture, ça nous dit non. Ah, c'est de moi. Alléluia. Et l'Éternel, comme l'Éternel, il nous laisse. Hein? Il nous laisse le temps de se ressaisir. Il est patient. Alléluia. Mais quand il commence à se manifester par sa jalousie, on dit, ah non, c'est le démon. Ah non, hein? Ce n'est pas le démon, hein? Ah non, hein? Ah non, hein? Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. L'idolâtrie qui passe à la première place. Et c'est le dernier au Dieu, c'est toi. C'est le dernier au Dieu, c'est toi. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. À cette minute ici, dans ta tête là, qui passe à la première place, de pensées négatives, diaboliques, sataniques, mais le passé de bazar. Tu as dit à vous, je vais faire ceci, je vais faire ceci, je vais faire ceci. Et c'est là que tu es en train de méditer la parole, je vais faire ceci. Alléluia. Alléluia. Lido. L'idolâtrie. Quand on va maintenant le problème, où est la passe? Où est la passe? Vous savez, mes amis? L'idolâtrie. Où sont les gens? Ils sont chez la maison, n'est-ce pas? On a du mal, n'est-ce pas? Hein? Ils sont où? Chez la maison. C'est du mal, n'est-ce pas? La Bible nous donne même les mains. Elle dit, je vous donne un jour. Shabbat, shalom. Aujourd'hui, Shabbat et Shalom. Pour aller faire quoi? Le chant qu'on a chanté ici, c'est quoi? Alléluia, Hosanna. La gloire. Et je dois dire un jour de Shabbat et Shalom par semaine. Regardez les gens. Regardez les gens, mes amis. On les donne un jour de Shabbat et Shalom. Ils n'arrivent même pas à accomplir le un jour. À qui la faute? Mes amis, à qui la faute? C'est à l'Éternel. On dit, méditez-moi jour et nuit. Et je te donne un jour par semaine. Shabbat Shalom. Comme vous faites à l'Éternel, c'est nos délices. Mais les gens restent à la maison. Alléluia. De sorte que. Il fait très chaud aujourd'hui. Hein? Oh non. Non. Il fait très chaud. Il fait très chaud, hein. Je vais mettre mon truc là. Hein? Alors, il fait très chaud, hein. Si je vais à l'église, il fait chaud, hein. Je ne sais pas respirer. Qui te donne la respiration? Qui me donne la respiration? Alléluia. Regarde. Quand j'étais dans le coma, je savais de là où j'étais. Vous pensez, mais regardez, je connaissais que vous étiez là. Non. Je vous pose la question, je connaissais que vous étiez là. Non. Que vous étiez là. Non. Hein? Mais qui les savait?
Qui le savait? L'éternel des armées le savait que vous êtes passé là. Mais moi qui est là, je vous regardais comme un. Vous pensez, je savais rien. Mais les jours de faire l'éternel pour aller délicer mes amis. Hein? Et j'ai dit, mais dis c'est moi un jour. Alors, ok, si. Il ne me dit pas jour et nuit. Mais les dimanches. Et puis quand les gens, tu vois, trois semaines tu ne vois pas, et puis après un dimanche là, tu ne vas pas passer trois semaines. Ami, tu as vu, tu vas trois semaines, tu vas un dimanche, vous allez oublier. Pasteur, tu sais. Pasteur, tu sais quoi? Toi, c'est, mes amis, toi, c'est que tu ne peux pas les tenir, les tenir. Qu'est-ce que les tenir va faire? Qu'est-ce que Pasteur va faire? Alléluia. Où sont les gens? Ils sont cherchés dans la maison, non? Ils veulent chauffer ça? Hein? Ils n'étaient pas prolongés de vacances, n'est-ce pas? Ils ont prolongé par les vacances. On peut manger ça. Il commence à faire des problèmes de pouvoir, de donner le ventre, qu'est-ce qu'on peut faire un programme. Non, on va faire le barbecue, hein? On va faire le barbecue, hein? On ne peut pas manger ça, hein? Le ventre te dira merci. Oh, regardez-moi. Est-ce que le ventre te dira merci? Mais roi de l'esprit te dira merci, mais pas le ventre. Si vous sortez, quand vous sortez, passez dans la maison déjà. Vous voyez comment il est sur le barbecue. Il est en train de dire chérie, c'est bien. Hein? Chérie, c'est bien. Ah hein? Oui, bon, tu me dis, mais cette question-là, hein? C'est bon que tu le sais. Alléluia. 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 Eh chérie, t'as été oublié. C'est que la typique, la boîte là. J'ai acheté ça hier. Hein? J'ai acheté. Ah, tu m'aimes. Regardez bien, écoutez-moi bien. Et ce sont les amis qui m'ont fait barbecue. Et le livre des ennemis. Dis-moi, j'étais où? Il mangeait où? Le barbecue. Il n'était pas à l'église. Il n'était pas à l'église. Il n'était pas à l'église. Il n'était pas à le barbecue. Ouais. Alléluia. Dis-moi, c'est pas avec qui? Elle est nulle. Dis-moi, c'est pas avec qui? C'est rien. Là, j'ai dit, on ne t'en parle pas, c'est de lui. Qu'est-ce que tu as avec qui? Hein? Avec qui? Ma fille, merci, ma vie. Donc, ça, c'est pas. Ça, vous avez quoi? L'idée que toutes les choses sur la planète Terre, ça prend la première place. Je ne vous dis pas de ne pas faire avec qui. Je ne vous dis pas de ne pas faire le pain. Non, notre pasteur est devenu intégriste. Il nous a dit de ne pas faire le barbecue. Non, ce n'est pas ça. Alléluia. Amen. Je vous dis que ça remplace la place de qui? De l'éternel. Regardez, on est si on prenait nos voitures, on va aller visiter toutes les maisons. Toutes les maisons, tous les membres de l'église. Tu chantes jusque là. Hein? Pieds nus. C'est beau, hein? Il fait beau aujourd'hui. Alléluia. Mais les gens qui ont dormi hier à hier le soir, à 2h du matin, qu'est-ce qu'ils ont eu? Alléluia. Est-ce qu'ils savaient que c'est là ce qui s'est passé? 36 fouilles. Et puis. C'est terrible. Les maisons remplies d'eau partout, Est-ce qu'elle le savait? Oui, il avait. Est-ce qu'elle le savait? Oui. Mais quelle est la parole de Dieu? Mais dites-moi jour et nuit. Et toi, tu dis, ah non, pasteur, tu exagères, Non, je n'exagère pas. Ce n'est pas pour moi. C'est pour ton esprit que tu dis, vivre dans le monde surnaturel. Quand tu vis dans le monde surnaturel, donc. En devenant de ton Seigneur, il te protège. Alléluia. Quand devient ton sauveur, il te protège. Parce que tu le mets à la première place. Quand tu ne le mets pas à la première place, il laisse, il dit, ok, tu n'as pas besoin de moi. Alléluia. 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 Quand on dit c'est le dimanche, vous, nous, vous devez discipliner les enfants au moins qui. Et aujourd'hui,
c'est le jour de Shabbat Shalom. C'est le jour de le pouvoir de louer et d'adorer l'Éternel et de le remercier de tout ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Amen. De tout ce qu'il a fait. Mais quand on ne glorifie pas, on ne l'adore pas, qu'est-ce qui se passe? Il nous reste. Il nous laisse. Il nous laisse. Il nous laisse. Alléluia. Amen. Maintenant, ce qui se passe, l'adoration de cet objet-là, comme il y a la première place, c'est ça qui nous détruit. Si c'est l'Internet, c'est l'Internet. Regardez l'Internet. Regardez l'Internet. On appelle ça voilà. Elle est. Hein? On ne peut pas le voir là. Regardez-moi bien. Les démons se trouvent où? Je t'aime, hein? Je t'aime. Tu ne connais pas la personne, hein? Mais je t'aime, hein? Et la balance, mais. Les démons qu'on se communique. Alors, quand les gens ont des problèmes, je dis non. Facebook. Quand ça passe à la première place, ça devient quoi? Diabolique, l'idolâtrie. Beaucoup de couples meurent à cause de Facebook. Faire à cause de quoi? Facebook. C'est le plan de l'Éternel. C'est ça, méditer l'Éternel. Est-ce que l'Éternel a dit qu'avec Facebook, je vais devenir? Regardez-moi. Est-ce que Facebook donne le succès? Dis-moi, depuis que vous regardez Facebook, qui est le Facebook qui a donné le succès? Moi, notre c'est meilleur. Qui? Facebook qui a donné le succès? Qui a donné le succès à qui? Depuis que le monde des mondes. Mais ce qui donne le succès, c'est quoi? C'est ça. Alléluia! Alléluia! C'est pas le Facebook! Alléluia! À la minute où je vous dirai combien de gens souffrent de Facebook. Facebook, foufou! Les gens souffrent! Les démons disent, ok, mais là-haut, ce n'est pas. Ils nous ont invités. Les démons disent, Satan, il respecte. Dit, ah non! Ils nous ont invités eux-mêmes. Alléluia! Ils nous ont invités eux-mêmes. Comment ils nous ont invités? On a sinon aussi le l'autorité d'entrer, nous ont donné le tombeau. Alléluia. Amen. Et puis au moment de dire, oh, priez. Non, tu pries quoi? Facebook. Alléluia. Il a déjà avant de dormir. Facebook. Et d'ailleurs, tu sais, les démons disent, ok, j'entre chez toi. Vous savez, il a décrété dans l'institution de l'île des dépôts de témoins contre Facebook. Des dépôts de démons. Je vous dis la vérité, à cause de Facebook. Mais je vous pose un problème à Facebook. L'Internet ne parle pas. L'Internet est un instrument pour la communication. Pour communiquer, pour qu'il y ait le succès. Hein? Quand Dieu commence à venir, est-ce que le Dieu va donner le succès? Alors, écoutez, on est à 2016. Hein? Quand j'étais étudiant en 1994, hein? On nous a parlé de Pokémon. Vous savez ce que c'est Pokémon? Démon de poche. Merci ma fille. Ma fille est le coronavirus et je l'ai déjà expliqué ma fille. Démon de quoi? Des poches. Alors vous laissez vous les parents. Si je vois, j'attends que tu en fais voir les parents avec ce Pokémon là. C'est démon de poche. Donc tu vas mettre les démons dans ta poche. Hein? Tes enfants, tes petits enfants vont passer avec les démons dans la poche. Et c'est le plan de l'Éternel. Non. Hein? Et puis tu dis, oh j'aime, tu l'aimes pas. Viens mes Pokémon. Là, viens, les démons dans la poche. Démons.
enfants, vos petits-enfants, arrêtez. Si tu vas, bien-aimé, tu fasses y aller à l'aide automatiquement. C'est un démon. Alléluia. On avait le démon qui vient, ça a commencé, ça va commencer aujourd'hui. Ça a commencé avant 2024, ça a commencé. Ça a commencé où? Toujours. C'est aux yeux ça. Maintenant, nous les Européens, l'ingénieur nouveau. Ce n'est pas un jeu nouveau, il n'y a rien de nouveau sur la planète. Alléluia. Nos enfants, vos enfants. Et donc, écoutez maintenant, et c'est là où maintenant on fait des alliances spirituelles avec les démons. Facebook, c'est là où on fait des alliances spirituelles avec les démons. Alléluia. Alléluia. Et quand on fait des alliances avec les démons, prie maintenant. Tu ne sais pas avec lui. Regarde. Mais arrive. Tu veux dormir. Regarde. Regarde que moi, mais tu commences avec la vitesse de ça à l'intérieur, la prière. Oh, c'est de Dieu, maman, de Dieu, regardez comment je fais, suivez le ton. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te glorifie. Seigneur, je t'exalte. Seigneur, je t'adore. Tu es merveilleux. Tu es bon. Seigneur, je te glorifie. Tu es bien. Tu es merveilleux. Alléluia. Voilà, amen. C'est ça la prière des gens. Est-ce que c'est la prière ça? Hein? C'est la prière ça? Non mes amis, on ne se trompe pas de l'éternel mes amis. Hein? Il est le big boss, c'est lui le big boss, le big boss. C'est lui l'éternel des armées. C'est lui qui décide. Nous on ne décide rien mes amis. C'est lui l'éternel des armées qui décide. Il sait tout. Notre cœur est toujours devant lui. Notre esprit devant lui. Il est en train de regarder. Il dit, regarde cette personne. Alléluia. Alléluia. Mais quand on lui met la, on lui donne la première place, il nous protège. Il nous bénit. C'est alors que ce livre, vous n'aurez pas levé. Qui est-ce qui est l'idolâtrie dans ta vie, dans ma vie? Hein? Facebook, Internet? Hein? Tu regardes les gens et les enfants en Dieu. Regardez, la bouche. L'enfant te connaît parce que l'enfant te voit. Alléluia. 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 L'idolâtrie. L'idolâtrie. Qui l'idolâtrie ne puisse pas faire partie de nous, de vous, de nous. Amen. 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 Il est jaloux. Hein? Nous devons lui donner la première place. On va se mettre debout.